La famille, avant de commencer la vidéo, c'est simplement pour vous dire que la rentrée de Bilal s'est complètement mal passée. La famille, il faut savoir que cette vidéo était censée être un vlog de notre rentrée, mais tout s'est mal passé pour moi malheureusement. Et je suis dégoûté, il a eu la pire rentrée de toute sa vie. Donc franchement, restez jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça vous saurez tout. Bon visionnage. Moi c'est Zola, dans le répertoire c'est Bilal ou Taga. Zilo, je recommence, je vais d'avance sur plus des goupilles cristallines. Stéphane Blazard va trouver un bendo et des goupilles dans le lavabo. J'ai couteau plaquette dans la gimbo, c'est... Wesh la famille, qui a la flemme de se lever, genre à chaque fois qu'il se réveille, le matin, il reste 20 minutes dans son lit parce qu'il a la flemme de se lever. Regardez lui là-bas. Wesh la famille, ça va bien, j'espère que vous allez bien. La famille, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo où on va passer la rentrée ensemble. Voilà la famille, on va faire un vlog aujourd'hui, un petit 24 heures ensemble. Donc on va filmer la rentrée, on va filmer notre journée tranquillement. En espérant que la vidéo vous plaise, donc je vous laisse mettre un gros pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Bon visionnage, c'est parti. La famille, comme vous pouvez voir, il est actuellement 8h16. On est le mardi 3 septembre, aujourd'hui c'est la rentrée. Donc voilà, petite journée à la rentrée des classes. Et Adem vient de se réveiller, donc là on va aller changer, on va aller se préparer. À tout de suite la famille, bonne vidéo. 15 minutes later. Oh là 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 là, quel BG. C'est pas du flow, ça. Regardez ses cheveux orange. Vas-y, la teinture c'est un peu raté mon gars. Survêt, regardez la paire de chaussures. Donc voilà, il va en survêt lui, hein, c'est un flemmard. Ton sac il est ouvert mon gars. Pourquoi t'as mis ton sac, on est même pas encore parti? C'est juste pour montrer la tenue complète. Ouais, c'est juste pour faire genre. C'est bon, ne t'affole pas, n'aie pas peur. Survêt. Bah oui, il me parlait de moi, toi aussi t'es en survêt. On va marcher aujourd'hui parce qu'on va aller manger dehors, bref vous verrez dans la vidéo. Et il faut savoir aussi que notre rentrée elle est à 14h, hein Adem. Ouais, elle est à 14h. Et là on va aller à 8h, à 9h30, on prend le bus de 9h30 pour arriver à 10h30 au lycée. Et de toute façon il n'y a pas d'autre bus comme on est en campagne. Le prochain bus il est qu'à 13h30 et si on le prend à 13h30 on arrive en retard. On n'arrivera jamais pour 14h. Bref, moi j'ai mis mes chaussures, mon survêt, mon survêt et bien sûr mon bob. Moi je m'en bats l'air, moi je me suis pas habillé de ouf, jean, tout ça, mais simple et efficace parce qu'on va marcher et j'ai la flemme. La famille, un petit rajout personnel, je me suis pris un bandeau Nike, voilà quoi. Voilà, lui c'est sa petite touche, moi c'est le bob, lui c'est son bandeau. Ça fait vraiment pas mal, ça me fait un petit flow. Ça fait un petit flow, le flow du boug. Voilà, un flow de ricain. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, on va en cours, on met quoi dans notre sac, donc regardez. Bon bref, c'est la rentrée, hein. Vous savez qu'il faut pas remplir le sac, il faut juste prendre le strict nécessaire. Regardez, j'ai pris un classeur au cas où il y a plein de feuilles, et dedans j'ai pris des feuilles, au cas où on doit écrire des trucs. Ok. Voilà, j'ai pris ça avec une trousse. Et un stylo dedans. Une trousse, des stylos dedans et une règle. Voilà, on a juste pris ça et bien sûr la famille, il faut la carte de bus. Tu l'as la carte de bus? La carte de bus, elle est là, ma carte de bus. Donc voilà, il y a la mienne aussi ici, Bilal Godegde. Voilà, et j'ai pas pris d'agenda parce que j'en ai pas, il y a Pronote et puis voilà, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Un petit déjeuner, j'ai faim. Ah ouais? Donc voilà, il y a des gaufrettes, du brownie, pas au chocolat, pas au chocolat, du lait. Donc voilà, c'est un petit déjeuner, hein. Donc toi tu le fais pas? Bah, à mon tour. Moi la famille, vous savez, comme c'est la rentrée, j'ai pas franchement une super faim. Okay. Donc un petit brownie, ça fera l'affaire, je pense. Un bon petit brownie. C'est un petit joueur, votre pote. Bah, tu penses que c'est pas une bonne affaire? Attends, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'es déjà prêt à partir alors qu'on part dans 20 minutes? Parce que c'est ça la rentrée, t'as toujours le... Tu stresses ou quoi? Je stresse pas, je m'en bats, je vais aller à l'école pour voir mes potes. Voilà, il panique, il prend juste un brownie au petit déjeuner, il a son sac, il est prêt. Non! Qu'est-ce que je vois, wesh? Je me brosse les dents comme toute personne normale. Mais je t'ai jamais vu faire ça! Ah, ma gueule! Les dents ont changé maintenant! Je me brosse les dents! C'est une première, ça! C'est exceptionnel, c'est juste parce que c'est la rentrée. Bon brossage de dents! Merci! Moi aussi, je me brosse les dents, vous croyez quoi? Ouais, parce que t'en as bien besoin. 5 minutes later. Donc la famille est actuellement 9h04, le bus il est à 9h40, donc c'est parti, on se retrouve dehors. Bon, nous on y va. Moi, à tout à l'heure, maman. Salut, bon courage pour la reprise et pas de bêtises. Donc la famille, pour ceux qui sont pas en courant, on est en première STMG, moi et mon frère, donc c'est un bac technologique. Eh ouais, mon gars. Donc voilà, on passage en première, donc c'est parti, on marche pour aller à l'arrêt de bus. C'est bon, t'inquiète pas, je vais filmer tes pieds. Ouais, je sais pas, lui il rentre dans une boutique, il va acheter des chewing-gums. Logique, je pue de la gueule. Logique. Il pue de la gueule, il va acheter des chewing-gums. Creux, t'as pris des chewing-gums. Logique, je pue la merde. Mais moi j'en veux, je pue de la gueule aussi. Ah, tu veux un paquet? Ouais. Tiens, tiens, tiens. Merci. Oh là là, il est magnifique. Tiens. Comment t'es beau, mon gars? Mon pote, faut être prêt pour les unes. Ah. Donc là la famille, on est à l'arrêt de bus, on attend le bus. Logique, on va pas attendre le train. Ok mon gars. Il est où, quoi, Théo?
Sois pas triste, wesh. A few minutes later. Donc voilà la famille, le bus il nous a déposé. On vient d'arriver à la gare d'Evreux. Bref, là on va les grailler. On va se péter le ventre, il est actuellement 11h05. Donc voilà, il est 11h05, on est resté un petit peu ici et avant. Avec nos potes, regardez. Donc voilà. Aussi, dites-nous dans les commentaires si votre rentrée s'est bien passée, si vous avez eu une bonne classe. Regardez-moi ce magnifique burger, la famille. Oh, le petit steak. Donc voilà, on éclate tout ça. On a pris hamburger frites avec une canette. Fanta limon. Fanta limon, ouais. Donc on va goûter ça. My frites à la mayonnaise. Avec sa mayonnaise, bismillah. On avait faim. On patiente avant 14h, parce que à 14h la rentrée. Dites-moi dans les commentaires si c'était à quelle heure votre rentrée. Si c'était le matin ou l'après-midi. Attends, vas-y, je fais un trou dans le burger. Bismillah. Il est bon? Ouais. Ah oui, il est bon. Ouais, il est bon. Vous voyez ce Fanta? Ils l'ont défoncé le pauvre. Fanta frappé. C'est nul. Donc là, on va manger avec nos potes et on se dit tout à l'heure. 15 minutes later. Donc la famille, on a fini de manger comme vous pouvez voir. Regardez. Il s'est fumé le ventre. Voilà, il n'y a plus rien. On a tout mangé, ça fait du bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre avec nos potes jusqu'à 14h à la rentrée. Quoi. Donc à tout à l'heure. 3 hours later. La famille, il est 16h. Je suis parti plutôt du lycée suite à ma rentrée qui s'est mal passée. J'étais énervé car je connaissais personne dans ma classe. J'ai préféré quitter l'établissement et pas aller en cours pour éviter de faire une connerie. Bref, j'espère que vous comprendrez mon choix. Re la famille, donc là actuellement il est 20h, ouais il est 20h, donc ça s'est vraiment très mal passé. Donc moi personnellement, j'ai fait ma rentrée, j'ai des bons potes dans ma classe, j'ai un bon emploi du temps, j'ai pas cours le samedi, etc. Et pour Bilal, ça s'est mal passé, il a à peine vu sa classe, il connaît personne, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est pas allé en cours. Il devait aller voir son prof principal, tout ça, qui donne le carnet, les cartes pour biper la cantine, etc. Sauf qu'il est pas allé, puisqu'il connaît personne dans sa classe, donc du coup il est rentré à la maison. Il est rentré, il était 15h. Il m'a appelé, il m'a dit que ça s'est mal passé et tout, donc du coup il est rentré. Donc là, regardez-le, il est ici. Ça s'est mal passé. Ça va, Bilal? Arrête, mon frère, je suis trop le seum. Donc tu connais vraiment personne dans ta classe? Je connais vraiment personne, mais ça, c'est pas un problème encore, mon frère. C'est juste par rapport à l'emploi du temps de bâtard qu'ils m'ont donné. Il y a des trucs, je vais devoir passer le code, le permis, je dois entraîner des petits au foot. Le samedi, j'ai match, je dois entraîner les petits le samedi matin. Ils m'ont fait le cours le matin, on doit se mettre d'accord, on doit avoir un emploi du temps pour faire les vidéos, pour mes heures de code, mes heures de conduite, les heures de foot. Ça y est, je suis mort là. On passe le bac aussi. Je vais faire un pour changer de classe, parce que là c'est abusé, je me suis barré direct. En fait, j'ai pas réussi, j'ai essayé de rester tranquille, mais j'ai failli pleurer. Du coup, j'ai pas préféré pleurer en classe, mais je me suis barré. Tout simplement. Les gens ils vont se dire, ah ouais, mais j'avais déjà un écœurement envers l'école, mais là ça s'est aggravé de ouf là. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une lettre comme quoi tu veux être dans ma classe, ça va pas être possible en fonction... Faire un changement de classe, je veux demander si je peux être dans ta classe. Ouais. Et puis voilà, et de toute façon, s'ils veulent pas, s'ils acceptent pas, je m'en bats les reins des avis des gens, j'arrête l'école et je travaille. Et ce sera un choix personnel, ce sera un choix décidé, je vais réfléchir là pendant une semaine. C'est bon, à un moment donné, je veux pas forcer, j'arrive pas, je suis écœuré, genre j'ai envie de vomir. Quand tu me dis école, j'ai envie de pleurer. Ça s'est passé exactement comme dans la dernière vidéo là. Ouais, le ouais, court-métrage. Ma façon, vieille classe. Ouais. Chaque année, j'ai une vieille classe. J'ai trop le seum, je suis dégoûté. Ça a mal tourné, la vidéo a tourné bien, a commencé bien. Vas-y, bref, ça a rien de parler en vidéo, je vais pleurer. Donc, vous voyez, la famille, une rentrée, ça se passe pas forcément bien. Par exemple, nous, vraiment nous, si on a un problème comme ça, il n'y a pas de on continue d'y aller et tout, on prend soin de nous toute l'année, on arrête tout d'un coup. On n'arrive pas à prendre sur nous, je suis obligé, je suis pas bien. Si je reste, je vais foutre la merde, je vais insulter un prof, je vais tarter des gens, alors du coup je suis parti du lycée. C'est mort. Bref, l'histoire elle a mal tourné, c'est tout, la veille rentrée de merde. Je vais aller, on verra comment ça se passe demain, je vais demander un changement et puis c'est tout. J'ai trop le seum, la vidéo, je suis dégoûté. Franchement, ça commençait bien et tout, le matin on était content d'y aller et tout. Et ça s'est mal passé, donc voilà. Donc la famille, il est actuellement 22h52. Donc je me suis calmé, hein, j'arrivais pas à me calmer, j'avais trop la haine. Donc je vais essayer de me calmer. Demain, je vais aller en cours, je vais essayer de retrouver ma classe. J'ai fait une lettre, là, j'ai la lettre. Je vais l'envoyer demain et on va voir ce que ça donne pour le changement de classe. Parce qu'on a vraiment besoin des mêmes emplois du temps pour pouvoir taffer dans nos projets. Ouais. Et pour pouvoir le permis, le code, hein, étant donné que maintenant on est coach de foot, on entraîne des petits. Et on entraîne le samedi après-midi les matchs. Donc toute la semaine en fait on est pris. Donc voilà, il faut vraiment qu'on a les mêmes emplois du temps. Donc on veut faire une demande pour changer de classe. Comme ça, faut que je sois dans sa classe. Comme ça on a les mêmes emplois du temps. J'espère qu'ils vont nous accepter. Bref, je suis dégoûté, ça s'est mal passé. Mais bon, je vais essayer de sauver tout ça, hein, parce que j'ai foutu le bordel, on va dire.
tellement j'étais énervé, en fait, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais bon, je m'en veux un petit peu, mais bon, vas-y, c'est passé. Donc demain, on va retourner en cours tranquillement, la famille, donc franchement, mettez un gros pouce bas à la vidéo si elle vous a plu, mais bon, moi, m'a pas plu du tout cette vidéo, surtout à la fin, genre, je suis dégoûté, c'était censé être un vlog de notre rentrée, et ça a mal tourné, et voilà. Ce sont des choses qui arrivent rarement, mais c'est arrivé. Donc la famille, bonne rentrée à vous, et bonne continuation dans l'école, continuez, bonne force année. À vous. Bonne année scolaire à vous. Donc la famille, on va tout simplement se laisser là. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Partagez la chaîne à vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour des nouvelles vidéos. C'était Adam et Bilal. Salam la famille. Tu parles de moi, mais que sais-tu de ma vie? Tu jalouses, tu commandes, personne t'a demandé ton avis. Euro, monnaie, bénéfice. J'suis dans le Merco Anubis. Sombre pétasse dans ma puce. Ils vendent de cannabis. Sors du tchèche, casse la démarche. À deux sur le D-Max, on démarre. Toujours prêt pour niquer tes mères. Mais comme j'ai déjà baisé, j'en ai marre.